Salut, on est dimanche, j'allais dire matin, mais non, il est 14h. Pourquoi je vous prends à cette heure-ci? Parce que déjà c'est le week-end et on aime bien prendre le temps pour le petit-déj, tout ça, mais surtout, je me suis enfin décidée à ranger cette pièce, enfin, mon double bureau. Il était vraiment temps, c'est cool, j'ai même un peu changé de place, quelques éléments déco. Et bah, j'aime bien le résultat, je vais vous montrer ça, mais d'abord, j'ai faim. Il est 14h et je m'étais dit, maintenant j'arrête, je m'écoute, quand j'ai faim, je mange. Donc je vous montre quand même mon petit bureau rangé et après je descends manger. Allez, je vous montre. Bon, bah, le petit canapé déjà, cette partie où je commençais à entasser des box, plein de petites choses, des produits, bref. Mon étagère que j'ai également un petit peu, on va dire, remaniée. J'ai fait du tri, même si effectivement je sais que ça reste assez chargé. Mais j'aime bien quand même. Donc j'ai mis des petites photos que j'avais eues, vous savez, j'avais reçu une collab avec la Lalab. J'ai rajouté cette petite étagère murale pour mettre pareil des cartes postales format Pola. Ici, bah non, ça n'a pas bougé. Mon bureau. Toujours plus ou moins pareil, j'ai juste fait du vide, hein. Là, mon étagère est tombée, du coup, ça a cassé la bougie qui est en déco, j'ai rajouté ça en attendant. Et cette pièce qui est quand même mieux une fois rangée. Il était temps, même si pareil, je sais que j'ai pas mal d'éléments, mais rien à voir avec ce que ça devenait. Et pour le reste, bah non, je crois que c'est tout. Et là, je vais aller manger, hein? Je pense à ça parce que je suis en train de préparer à manger. J'ai reçu un commentaire, je devrais même pas y prêter attention, mais c'est la façon dont c'est dit. Ça te parle à la troisième et je sais pas, j'étais pas confrontée à ça. Et de plus en plus, mais c'est parce que ma chaîne grossit, grandit. Mais voilà, là c'était du genre, de toute façon, elle bouffe que des soupes en carton et des toasts. C'est vrai, mais t'as une façon de le dire. Enfin, je sais pas. Je sais pas, comme si c'était... Ça faisait du bien, tu vois, de lâcher ça. Non, 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 non. Bref, ça m'a donné envie de manger des avocats. Mais c'est vrai, j'avais eu également dernièrement un autre commentaire tout aussi n'importe quoi. Mais écoutez bien, je les laisse, de toute façon je les ai laissés. Tant que c'est pas non plus ordurier ou ce genre de choses. C'était, quoique c'était quand même limite. Limite pas raciste, mais limite bah, très intolérant. Je vous dis. N'aurais-tu pas des origines eurasiennes? Donc jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, parce que je trouve que tu as vraiment les yeux très bridés, on ne les voit pas d'ailleurs en gros, et tu es trop blanche. C'est pas joli genre. En fait, et ça le gênait. Ça craint quand même, c'est pas cool pour les gens qui sont vraiment d'origine eurasienne, qui ont les yeux bridés, qui ont le teint blanc. C'est très limite. On est d'accord, non? Enfin bon, je comprends pas, je ne comprends pas. De toute façon, moi je m'en fous, je mange ma soupe avec Jackie. Enfin, que veux-tu? Je vais me refaire une tête, je n'aime pas cette coiffure, ou alors faut que je la restructure mieux, parce que ça, c'est un peu n'importe quoi. Et je vous ai pas dit, j'avais reçu une... Oh, ça fait bien 2 semaines, hein, une nouvelle carte. Parce que vous savez que je suis en collab avec Jiffy, et comme depuis quelques mois Jiffy dans ma ville est ouvert... Y aller tout à l'heure. Et oui, je voulais vous montrer ça. On l'a acheté hier chez Darty. C'est un toaster pour faire des gaufres et des croque-monsieur. Je l'ai branché hier et ça a commencé à fumer de partout. Une odeur. Il y a eu un court-circuit. Bref, je suis dégoûtée. Je vais le ramener demain, mais j'en veux pas un autre. Non, ça m'a calmée. Donc, je vais demander d'être remboursée ou alors un avoir. Mais hyper déçue. C'est ce modèle-ci. C'est dommage parce que franchement, ça me donnait envie. J'avais plein de petites idées recettes, mais je suis sûre que je peux les faire quand même avec mon four. Et je vais pas tarder à aller chez Jiffy. Ça va me faire du bien. Il fait beau en plus, prendre l'air. Moi et mes yeux bridés. Je viens d'arriver. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié la liste. J'avais écrit, ouais, remarque, j'avais écrit 4 choses, mais quand même. Bon, je vais essayer de m'en souvenir. Alors, que je vous dise, donc je vais vous montrer un petit peu les nouveautés. Et bah, ce que j'achèterai pas, je vous montrerai. Et ce que j'achèterai, bah, vous le verrez dans un prochain haul. Je pense que ce sera le mieux. Bon, on est vraiment sur tout ce qui est salon de jardin, extérieur, accessoires. Et vraiment, je me tâte à refaire ma petite courette. Parce qu'il y a quand même des trucs sympas. Tout ça, c'est vraiment des petites guirlandes d'extérieur.
comme des lampions. C'est joli, hein. Elle est sympa, cette petite lanterne solaire aussi, je trouve. C'est mignon, ouais. Sympa, celle-là. Bon, j'ai tout mis dans ces deux sacs Leclerc. J'ai trouvé des trucs bien sympas et j'ai retrouvé tout ce que je voulais, donc c'est bien. Je pense que je vous tournerai ça demain. Ouais, après, est-ce que je vais le publier demain soir? Pas sûr. Il est 4h30, je vais me faire un petit goûter et ensuite, vu qu'il fait super beau, je vais aller me balader histoire de prendre l'air, me dégourdir un peu les jambes, parce que c'est pas en étant allé à Jiffy en bagnole que je me les suis dégourdie. Est-ce que t'as une tête de coupable aujourd'hui? Hein? Tu as fait les bêtises? Je vais tout savoir de toute façon. Mon goûter. Bon, je vais pas manger la banane en entier. Il y aura un carreau de chocolat. Et voilà, petit pruneau aussi. Petite balade post-goûter. En fait, ça caille un peu quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là, le gars? C'est louche. Ah, bah alors là, là c'est agréable. Là, je le sens le soleil sur ma peau. Mais c'est tout mignon, ça. Allez. Je vais aller voir par là ce qui se passe. Vous avez vu? Sur le donjon. C'est une bagarre d'oiseaux, je sais pas ce que c'est comme espèce. Mais je suis chez quelqu'un, là, en fait. C'est n'importe quoi ce que je fais. J'ai pas le droit d'aller par là, si? Non, je crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous me demandez quand même assez régulièrement si je compte toujours vous faire la petite vidéo sur l'arrêt du sucre. Alors oui, attendez, je vais quand même me mettre peut-être en face cam. Oui, je vais vous la faire, mais comme j'ai repris depuis mon retour de Saint-Martin le sucre, enfin le sucre que j'avais arrêté, c'est pour ça que je m'étais dit bah je sais pas trop, et en fait vu les résultats que j'ai eu quand même, ça a duré 3 mois, j'ai arrêté pendant 3 mois, donc c'est pas rien, et ça peut être plutôt intéressant pour vous de connaître un peu les effets que ça aura eu sur moi. Ouais, donc oui, je viens de croiser Eric dans ma balade et vous savez ce qu'il m'a proposé. On se prendrait pas un petit goûter? Regardez ce qu'il a choisi, une part de nougat avec des petites noisettes, des amandes. Il a déjà mangé la moitié, je lui fais bécane quand même, il me dit « mais j'ai pas de problème de sucre, des problèmes de sel. » Bon, moi j'ai rien pris, hein. J'avais déjà goûté. Et là je vais aller faire du montage. Et ben vous savez quoi, je me sens bien moi, dans ce nouveau décor, c'est agréable. Et ben je vous ai quitté à 18h26, et il est 20h21. Qui me parle? Il est complètement perturbé et je ne rigole pas. Le changement d'heure perturbe les animaux. C'est clair et net. Parce qu'il a déjà eu à manger là. Ils sont beaux, hein, mes colons. Je les avais eus dans la gambette. La gambette que j'ai arrêtée sur la chaîne des box d'ailleurs. Bref, je viens de monter dans ma chambre pour me changer. Mettre ma tenue de nuit. Et Jack me suit partout. Il n'arrête pas de pleurer. Voilà, il fait le taureau. Il faut que tu prennes sur toi maintenant. C'est demain matin. Je vais faire des spaghettis au quinoa. Elles sont tellement bonnes, celles-ci, avec un petit steak 5% de matière grasse. Ouais, parfait. Et par contre, je me suis mise là hein, parce que la lumière dans la cuisine, c'est pas vraiment ça. L'une d'entre vous m'a mis en commentaire dernièrement qu'il fallait que je fasse attention à l'application Yuka, application que j'utilise au quotidien. Je l'aime beaucoup parce que, attention, elle était dermatologue et donc le Yuka, je savais même pas qu'il y avait un Yuka version cosmétique, était pas du tout fiable. Et pour elle, le Yuka nourriture était très certainement pas fiable non plus. Donc j'ai bien les boules si c'est ça. Mais moi j'avoue que même quand il y a marqué excellent, bon, médiocre, tout ça, je regarde vraiment tout le détail. Là, je pense qu'ils se plantent pas. C'est-à-dire que s'ils te mettent tant de grammes de sucre ou de sel,
ça correspond, sinon ça serait grave, quoi. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire si vous connaissez une application hyper fiable en matière de cosmétiques, donc pas Yuka, hein, forcément, mais une qui est vraiment top du top, ça m'intéresse, mettez-moi ça en commentaire. On se regarde le dernier épisode de la série Umbrella Academy que je vous recommande à 10 000%, elle est tellement bien. Je pense que c'est le dernier épisode. Je vais clôturer ce vlog maintenant et je vais vous faire un gros bisou. Je vais vous dire à demain dans un nouveau vlog. Salut.